On tombe sur une équipe qui est en confiance aussi. Hein. Les derniers résultats sont là pour en attester. Donc c'est déjà, je dirais, un déplacement difficile en temps normal par le contexte et puis parce que Malines à domicile représente quelque chose, non seulement pour les joueurs, mais pour l'atmosphère générale. Et en plus, pour l'instant, bah, ils parviennent à allier les résultats et la manière. Donc voilà, c'est forcément à cause de tout ça, un match pas facile. Je préférais bien entendu, comme je l'avais dit d'ailleurs avant le dernier match joué à domicile, que le job se fasse avant et qu'on concrétise plutôt, je dirais, les opportunités. Ça, tu peux t'imaginer que j'avais un autre sentiment à la mi-temps contre Mouron que le dernier match. Mais je vois là aussi la volonté du groupe d'arracher ce qu'il faut arracher et de ne rien laisser, parce que derrière le but qu'on marque, comme je le dis, il y a d'abord un certain nombre d'occasions, donc on pourra à ce moment-là se dire, ok, c'est pas pour aujourd'hui, mais ça n'a jamais été le sentiment que l'équipe a montré. Donc ça, c'est une qualité qui est importante, c'est dire la volonté du groupe d'arracher les résultats et d'aller jusqu'au bout. Et puis, à l'opposé, c'est aussi le fait que, voilà, notamment sur le dernier match, à part la dernière occasion juste après l'ouverture du score, on n'a rien laissé, ce qui n'est pas toujours évident contre des équipes qui sont à ce point regroupés et attentistes. Donc voilà, je pense que c'est peut-être une des premières fois où c'est aussi serré, je dirais, pour les play-offs 1 que pour la relégation. Et donc voilà, on espère toujours faire la bonne affaire le week-end en jouant le vendredi en gagnant. Force est de reconnaître que les autres font un sans faute aussi, donc c'est dur, c'est dire, pardon, ce que représente aussi pour les autres équipes les play-offs 1. Et il serait stupide pour moi que, d'ailleurs, vous m'avez posé la question, on a fait un grand pas, on fait un peu grand pas à chaque victoire, et plus on se rapproche de la fin, le pas est grand, bien entendu, mais non, je pense que rien n'est acquis. Ce qui est bien, c'est que on a notre sort entre nos mains, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Et on doit faire le job jusqu'au bout. Nous devons simplement faire tout ce qu'on doit faire. On m'a très bien dit Igor, donner tout sur ces deux rencontres. Voilà, avec la volonté et avec nos qualités et en tenant compte des qualités de l'adversaire. Voilà, sans aucune prétention.